Salut tout le monde. Nous voilà aujourd'hui à Boulou Paris pour le trail de Boulou Paris. Ma foi, il commence à y avoir du monde. Le départ se fait d'ici un quart d'heure. Je suis avec mon ami Fabrice. Bien le bonjour. Ma fille qui va faire le petit et notre ami Olivier qui est garé par là-bas. Donc je vous dis à tout à l'heure, on va monter sur les crêtes en face là-bas. Normalement, on devrait avoir des belles vues. Je vous dis au départ. Allez, top départ. C'est parti. Allez, tout à l'heure. Il y a du monde pour cette deuxième édition. Ok, ça redescend un peu. Une grande petite foulée. J'essaye de me préserver un peu parce que je sais que tout à l'heure on monte en face là, sur les crêtes là, et que ça va bien crapahuter. Donc, j'essaye de me préserver un peu. Il y a tout à l'heure. Il y a de l'ambiance ici. Ah ouais, mais on n'a pas le bar. Ah voilà. Voilà. Merci. Ok. Une grande petite foulée. Bah là, je crois que, à mon avis, on va droit là-haut. Que je regarde où je mets les pieds quand même. À tout à l'heure. Allez Fabienne. Ouais. On y croit. Tu vas être dans la vidéo. Arrête de me doubler là. Là, on vient de se monter une première côte là. Mignonne. Bonjour. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Allez, bon courage, tout droit. Ah, bravo. Voilà le film qu'on aura après. Voilà. Magnifique. Une belle descente. Bon, je pense à Ludo qui descendait ça à fond hier. Oh là là. Ça glisse. Ça c'est sûr. Hop. Et ben voilà. Bon, on est parti. Belle descente. Allez. Ah, déjà une belle vue. Je perds du temps mais je m'en fous. Allez. Hop, alors, encore une belle descente. Le moyen de la descente, c'est sur le côté. Ouh. Oh putain. Je vous explique pas. Filmer et descendre ici, c'est pas l'idéal. Mais bon, on va essayer pour le fun. Ouh. Ouh. Et la gamelle. En direct. Ok.
arrive en sous-bois. Pas mal de racines. C'est plaisant, ça nous fait de l'ombre. C'est pas mal. Ouais, je vous dis tout à l'heure, j'ai la sensation que ça va remonter. Allez, souriez. Ah oui, vous êtes tombé aussi. Ah, c'était difficile quand même. Ah, merci. Merci, ça fait plaisir. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Toujours dans la montée. Là. Heureusement que j'ai les bâtons. Ça m'aide. Parce que mine de rien, il commence à faire chaud. Et ça crapahute. Ça grimpe bien. Et à tout à l'heure. Ok, on est en haut, ça va redescendre un peu et prochain objectif, tout là-haut. Celle-là, on s'en souviendra. Hein. Elle est bien raide, il y a quand même des beaux coins. Des beaux coins, il est beau celui-là. Tu vas voir après, il y en a un avec un gros caillou là, en plein milieu. Normalement on va y passer aussi. On a l'impression que l'arbre a poussé autour du caillou. Ah, c'est quand même joli. Ouais, je vous dis à tout à l'heure. Toujours aussi beau. Toujours aussi beau. C'est vraiment. Tu vois, on a l'impression que à la fois le caillou tient l'arbre et l'arbre a poussé autour du caillou. C'est beau, hein. Ouais, on continue. Je vous dis à tout à l'heure. Ok. La ligne de crête, le plus haut point c'est là-haut, je crois. Ouais. Je vous dis à là-haut. Allez, voilà, là ça filme. Hein. Voilà, on est au point. Ouais, regardez, on est au point culminant là. Culminant de la course. Et magnifique vue sur la vallée. On a bien chié pour monter. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. On en chie, mais ça vaut le coup. Et voilà. Regardez cette belle vue, toi. Pic Wichambo là-bas. Ah, t'as une vue sur le lagon. Ça vaut le coup. Hein. Bien évidemment, je perds des places en filmant, mais bon, je m'en fous complètement. L'important, c'est que je vous partage tout ça. Je prends un énorme plaisir. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui me reconnaissent, qui me soutiennent dans ma façon de faire des vidéos. Ça fait plaisir. Enfin, là, je profite, là. J'en prends plein la vue. Et j'espère que vous en prenez plein la vue aussi. Parce que c'est vraiment... magnifique. Ouais. Un petit dernier coup de paysage pour le plaisir. Et après on redescend, je vois les gens qui redescendent là-bas au bout. C'est quand même joli. Ok. Encore une belle descente. On va essayer de pas tomber. On va essayer que ça descende bien. Ouh. Allez. Tout à l'heure, je vais essayer de me concentrer sur la descente.
là, au PC1. Bonjour. Après une bonne descente là. Merci pour l'eau sur la tête, ça fait du bien. Et merci hein, à vous les bénévoles. Merci. Heureusement que vous êtes là. Allez. On continue. Voilà, la descente là, elle était fou. Phénoménale. Allez, à tout à l'heure. Ok. Direction le deuxième PC. Je vous cache pas que. Il commence à faire chaud. Et la descente là, mine de rien, elle était technique. Bien glissante. Je ne suis pas tombé, mais. Pas loin. Allez. J'ai à terre. Nous revoilà en sous-bois. Je me demande si on repasse pas là où on était tout à l'heure. Bien sympathique, au moins c'est à l'ombre. J'en profite. À tout à l'heure. Okay. C'est pas mal ce petit coin. Ouais, et ça remonte. Allez, à tout à l'heure. Allez les amis. Alors, si un jour vous avez un coup de chaud comme moi là, actuellement, là, parce qu'en fait il n'y a pas de vent. Ils avaient annoncé du vent, mais il n'y a pas de vent, il fait super chaud au soleil. Et bah vous vous posez dans un coin là et vous restez 5 minutes là histoire de faire descendre le cardio là. Là c'est bon. Il commence à descendre. Parce que à insister, c'est un coup à faire un malaise. Donc voilà, ça s'appelle la gestion de course aussi. Quand on est mal comme ça, bah on se pose. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Normalement on n'est pas loin du prochain PC là. Là je ne suis pas beaucoup mais. Parce qu'en fait je suis cuit, je suis là. Là vous avez encore une belle vue là. J'avance à petits pas. La chaleur à nous fatigue, à nous use. Ils avaient annoncé du vent, il n'y a pas de vent. Et il fait une chaleur. Ok, allez. Je vous dis à tout à l'heure. On va le terminer, hein. Mais doucement. Doucement. Gérer le truc. Allez, tout à l'heure. Ah. Deuxième PC. Là il va faire du bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bah, je repars du second PC. J'ai bu un peu de coca. Mis de l'eau sur la tête. Ça m'a fait du bien mais je suis toujours épuisé. On va y aller doucement. Le soleil il cogne là, c'est. C'est même pas la peine. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas où on est. On avance là, attends. Un sous-bois. Et... J'ai plus de jus. J'ai plus de jus, je suis vidé. Coca que j'ai bu, ça me fait rien. Je pense que j'étais à la limite d'un coup de chaleur. Et puis... On va essayer de terminer, mais doucement. Je vous dis à tout à l'heure. Là, j'arrive là, regardez un peu cette vallée. Merci aux bénévoles, là. Ils viennent me mettre de l'eau sur la tête et je peux vous dire que ça fait du bien parce que il fait un cagnard, là. Regardez cette vallée. Elle est magnifique, avec le Wichambo en face, là. Toute la baie, là. Magnifique, mais alors il fait chaud. Bon, allez, on va descendre avec la fatigue. Il a intérêt à faire gaffe de ne pas se casser la figure. Je vais ranger la caméra. Et je vous dis à tout à l'heure. Il y a le vent qui se lève. Je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de vent. Allez, à tout à l'heure. On est en bas là, dans la vallée. C'est interminable le truc. Il fait une chaleur. C'est intenable. C'est intenable. Il n'y a quasiment pas de vent. Il doit rester 2 km, un truc comme ça, je pense. Enfin, je vais le terminer, hein, mais... Je vais avoir subi, là.
Ouais, je vous dis à l'arrivée. Ok. Eh ben, on arrive. On arrive. Et figurez-vous que là, maintenant, il y a du vent. Maintenant, il y a du vent. À l'arrivée. J'ai cru que j'allais pas y arriver. J'ai une chaleur là. Allez, voilà. Je vous dis voilà. Ne me demandez pas de courir, je suis à bout de force. Je suis à bout de force. Je crois que j'ai fait à moitié un coup de chaleur. Un truc comme ça. J'en pouvais plus. La chaleur. Putain. Y'a qui c'est qui a du vent? Ouais, ici, oui. Ok. Ah bah. Ça l'est fini. Putain. La chaleur. Salut Ludo. Ça va? Toujours aussi beau. Merci. Aussi bien. Bon, petit briefing. Un beau petit parcours. Je pense que vous pourrez le constater sur la vidéo. Moi personnellement j'en ai chié, mais ça m'étonne pas, dès qu'il fait chaud j'en chie. J'étais à deux doigts d'abandonner au dernier PC là, heureusement que le coca il m'a reboosté un peu. Et puis sinon le balisage, rien à dire, hein, impeccable. Au niveau de l'orga, les bénévoles, c'est des crèmes. Je suis arrivé sur le haut de la colline, là, la dernière descente, ils m'ont mis de l'eau sur la figure et tout. Franchement, super sympa. Heureusement qu'ils sont là les bénévoles d'ailleurs. Et puis voilà. Un beau petit trail. Je pense que mon ami il pense la même chose. Ouais. Ma fille pareil. Ouais, et puis on vous fait à la prochaine. Tata bisous. Tata bisous. Tata bisous. Tata bisous.